bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un vlog. J'avais envie en fait de faire plein de... Enfin plein. J'avais envie de faire une vidéo pack et tuto façon de faire. Mais en fait j'ai pas le temps. Du coup je me suis dit autant faire un vlog et un peu tout rassembler. Donc je vous retrouve, on est le jeudi 25 mars. Il fait super beau mais super froid. Donc c'est pour ça que j'ai le soleil en plein dans la face. Mais c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, j'avais pour programme de m'occuper de mon bureau, si j'y arrive, si j'ai le temps de tout faire, parce que vous voyez peut-être pas, mais c'est un bordel pas possible. J'ai un placard dans ce coin-là qui est rempli de bazar, donc j'aimerais m'occuper et du coup y installer du coup ma bibliothèque. Donc c'est le Kallax en long, là, vous voyez derrière, je vais le mettre debout. Et du coup, bien rangé, parce que j'ai pas mal de livres et dans les trois cases que je m'étais attribuées pour mes livres, j'ai plus de place. Donc voilà. Du coup, je vous montrerai un petit peu des petits visuels de tout ça. Et du coup, on parlera aussi rythme de colo, parce que le mien, il a un peu changé avec l'arrivée de bébé. Forcément, j'ai beaucoup moins de temps. Et donc voilà, donc je me suis dit, autant faire un vlog avec tout ça. Et c'est parti. Le 26, je vous prends avec un autre angle de vue car comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai fini de ranger mon bureau. Hier ça m'a pris la journée entre gérer bébé et ranger tout mon bureau. J'ai fait un tri top, je suis trop contente. Pas mal de choses que j'ai jetées, des papiers, des machins. Donc voilà, et du coup je voulais vous montrer un petit peu ma pack que j'avais mis du coup au-dessus ici, comme vous avez pu le voir peut-être avant. Et cette pack, elle rentre principalement dans le challenge du coup de Elix. Donc Elix Colo et DP. Je vous la mettrai sa chaîne en barre d'infos puisqu'elle fait un challenge Disney. Donc l'édition 2024, trop bien. Donc je participe et du coup j'ai sélectionné mes colos en fonction de ça. Bon, avant ça, j'ai quand même toujours mon whip dans le Kinkade pour le thème de Julie. J'ai du mal à l'avancer. Je vous montre. Voilà où j'en suis. Donc je le fais à l'acrylique pour l'instant. Je pense que je vais faire les personnages au carbotello pour les petits détails, notamment la peau, parce que mon petit pinceau de peinture est en train de me lâcher au niveau des poils. Ils vont dans tous les sens, donc c'est très compliqué de faire de petits détails. Donc je pense que pour ça je vais utiliser les carbotello, peut-être pas pour les tenues, je sais pas, je vais réfléchir. Mais j'ai du mal à me poser, voilà, pour faire de la peinture, parce que du coup la peinture sèche et comme je suis tout le temps interrompue, c'est assez compliqué. Mais bon, c'est pas grave, je compense du coup avec d'autres colos. Donc au niveau de ma pack, j'ai ressorti mon Denise Clette, voilà, je l'aime beaucoup. Donc moi, si vous regardez la vidéo d'Elise, je suis de la team Granis, donc je vais dans mes livres qui datent d'avant 2022. Voilà, et du coup je fais celui-ci. La plage du coup, donc j'ai fait pour l'instant que du néocolore 2 sauf les palmiers, c'est du feutre à alcool, voilà, que je viendrai ombrer. Je sais pas si je vais ombrer à l'aquarelle ou au crayon ou feutre à alcool, je vais réfléchir. Sinon au niveau de ma pack, j'ai sorti pas mal de livres et j'ai essayé de faire une pack avec des petits colos parce que comme j'ai du mal à me poser vraiment, donc voilà. Hey, on est le 29 avril, ouais, lundi, donc je vous prends
Rapidement, là, parce que bah, j'ai pas fait énormément de choses. J'ai eu pas mal de choses à faire. Côté colo, par contre, je suis grave contente parce que j'ai pu avancer mon Kincaid. Voilà. Donc, j'ai fini tous les bosquets, j'ai fini les marches ici et j'ai commencé les persos. Donc, pour l'instant, les persos, j'ai commencé au Carbotello. C'est ce que j'avais fait dans. Je vous montre. Dans un autre Kincaid. Je crois que c'était Alexandra Couture qui faisait ça. Alors, ouais, si vous entendez un bip comme ça, c'est juste le babyphone qui détecte un mouvement, mais visiblement, il n'y a pas de mouvement. Peut-être sa main qui a bougé. Bref, il dort. Donc, j'en profite pour filmer, du coup. Donc, ouais, j'avais fait celui-ci et les persos, donc Blanche-Neige et la Nuit, je les avais fait au Carbotello, ça avait super bien marché. Et du coup, ça me permettait d'être un peu plus précise que la peinture. Notamment avec mes pinceaux là tout fins qui commencent à rendre l'âme, c'est très compliqué. Et je crois que c'est Alexandra Couture qui faisait ça. Et voilà, du coup je suis partie là-dessus. Je prends juste le visage, je vais le retravailler au crayon parce qu'au niveau des yeux, enfin des tout petits détails, ça va être compliqué au Carbotello quand même. Donc voilà, très contente de cette avancée. Et j'ai avancé un petit peu mon Denizclette. Voilà, je me suis occupée des palmiers. Bon, j'ai pas fait l'ombrage encore des feuilles. J'ai juste fait le tronc et quelques noix de coco qu'il faut que je retravaille. Je pense que je vais mettre un peu de stylo gel blanc pour faire l'effet, vous voyez, un petit peu velu là, des noix de coco. Donc voilà, sinon on est le 29 avril, j'ai la vidéo des collages terminés à tourner. Donc je pense que je vais en profiter parce que là je pense pas les finir d'ici. Ah, peut-être que je pourrais les finir aujourd'hui ou demain. Je vais voir. Mais peut-être que demain, j'en profiterai pour faire la vidéo des collages terminés. Ou sinon, je la ferai le 1er mai quand mon conjoint ne travaille pas et pourra garder le petit. Et je voulais également vous faire la vidéo. Enfin, la vidéo. Le petit fond Galaxy. Donc, je vais voir si j'ai le temps. En tous les cas, pour l'instant, j'aimerais vraiment finir le Kincaid. Donc, je pense que je vais continuer là. Je vais vous. Peut-être vous filmer une petite séquence que vous aurez juste après. Hello, on est jeudi 2 mai, je vous prends en coupant, vous pouvez voir ma tête. rien n'est fait, voilà, pas de maquillage, rien, pas de coiffure, rien du tout. C'est mon nouveau rythme en tant que jeune maman. Bref, je voulais vous prendre pour vous montrer un petit peu ma pack qui est en raccord du coup avec le challenge d'Élise. Je pense que j'en avais parlé avant, j'ai supprimé la séquence parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait certains colos qui ne matchaient pas avec les catégories. En parlant avec des copinotes, du coup, j'ai remodifié un petit peu pour vraiment que ça rentre et que je ne sois pas hors sujet. Donc, je voulais absolument vous montrer ça. J'ai sorti pas mal de bouquins. J'ai essayé de prendre des colos pas trop compliqués parce que du coup, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Mais on va essayer d'en faire un max pour gagner un max de points. Du coup, j'ai sorti le Vitro. Et dedans, donc j'en avais sélectionné deux de base, mais du coup, ça rentrait pas. Et donc, j'en ai gardé 15 sur les 3. J'en avais sélectionné 3 et du coup j'en ai gardé 15 sur les 3. Voilà.
Je vais essayer de pas trop casser. Et donc Peter Pan, voilà, pour la bonus, puisque c'est un enfant. Donc voilà, je pense faire celui-ci en espérant qu'il ne soit pas trop long. J'ai sorti mon Jaffy, j'en ai sélectionné 3, mais je ferai un des 3 seulement. C'était juste pour voilà, ne pas chercher. Donc ce sont des sorciers magiciens. Donc on a cette page là. Il y a également celle-ci. Et celle-ci. Attendez. Hop. Voilà. Donc vous l'aurez compris, hein, je sors que des vieux livres. Enfin des vieux livres. Des livres datant d'avant 2022, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous laisse aller voir la vidéo d'Elise, elle explique tout très bien. Donc, je suis de la team Granis. Dans mon Lulu Mayo, j'en ai sélectionné plusieurs. D'ailleurs, je pense que je vais y aller prochainement. J'attends de finir mon Denis Klett. Et je vais commencer un petit carré. Et je pense que je vais faire celui-là après. Enfin, un de ceux-là. Donc, il y a celui-ci. En plus, ça me permettrait d'avoir les deux pages. Celui-ci, qui me tente bien. Et celui qui me tente beaucoup, en fait, c'est celui-ci, avec les touches de piano. Et enfin, celui-ci avec le récif corallien. Voilà, ce sont des petits colos. Je ne sais pas si je vais tous les faire, mais au moins, ça me permet d'avoir sélectionné mes colos. Dans les Spooky Girls, j'ai pris encore plus de retard. Parce que du coup, je n'ai pas pu faire mes colos du mois. Mais c'est pas grave, il y a celui-ci que je devais rattraper. Et du coup, on voit la petite fille avec son chat, avec son compagnon. Donc, ça rentre dans une catégorie. Donc, je vais essayer de le faire. Je ne suis pas sûre de réussir à suivre les copines dans ce bouquin pour le finir. Mais bon, c'est pas grave. Le gros colo, ça va être celui-là, puisqu'il compte pas mal de catégories. Et j'avais bien retourné dans un mythographique. Donc là, c'est le Odyssée et le fer au feutre alcool. Alors, pas tout, mais il y a des zones assez grosses. Donc, j'aimerais bien essayer. On va éviter de je vais éviter de m'assommer avec mes livres aussi, ce serait pas mal. J'ai sorti celui-ci que j'ai acquis il n'y a pas longtemps mais qui est très vieux du coup parce qu'il date de 2014 je crois, si ce n'est pas avant. Ouais, 2014, il a été réédité en 2020. Et j'ai celui-ci que j'aimerais bien faire, qui va pas être trop long, voilà, il est en armure, en guerrière sur son poulpe. Ça peut être sympa. Voilà. Le Nice Little Town 7, où j'aimerais faire du coup un ciel galaxie avec vous. Je vais voir si je le fais au Intense. Et voilà, j'aimerais faire une ambiance nuit. Donc on a un café. Donc pour la catégorie Ratatouille, ça passe plutôt pas mal. J'ai sorti mon bloc tableau avec un colo que j'aimerais faire aussi avec vous. Le fond au Neocolor 2, un fond galaxie. Voilà, et du coup, ça ferait le bonus, puisque ça fait partie d'une catégorie. Dans le vilain, j'en ai sélectionné 2. Je ferai un des 2 si j'arrive à me pencher sur ce livre. Ce sont les cartes à jouer. On trouve ça, donc, de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, on a celui-ci. Et on a également... Toc. Celui-ci, voilà, je pense que je partirai plus sur celui-ci. Neocolor 2, truc aquarella, ça passe. Bon, j'ai mon Mystic Misfit, mais je ne compte pas dans les catégories. J'en ai un que j'ai pas fini. D'ailleurs, je vous invite à voir ma vidéo des colorages terminés qui est déjà en ligne du mois d'avril. Si vous voulez avoir les colos dans lesquels je vais aller ce mois-ci et celui qui me manque. Voilà. Dans le mystère Mickey, alors je ne sais pas encore lequel je vais faire, mais pour l'instant je suis sur celui-ci. Voilà, vous ne voyez pas grand-chose. C'est la page 83. C'est Pluto, je crois, et son fils, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est mon whip du moment qu'il faut que je finisse. Dans le mystère Baby, j'en ai 2. Je vous montre les solutions, ce sera peut-être plus simple. J'ai 2 bébés à faire. J'ai pris Pampan et j'ai pris Donald. Voilà, donc Donald ici. Et Pampan, il est pas très loin derrière, je crois. Il est vraiment sympa ce mystère. J'aime beaucoup. Voilà, il est ici. Donc je l'ai mis en porte-vue aussi, celui-ci. Je pense que ce sera les derniers. Je vais pas mettre le vitre en porte-vue, c'est trop chiant à faire.
Dans le carré Art Déco, j'en ai sélectionné plusieurs. Il y en a qui ne rentrent plus, du coup, il faut que je les enlève. Donc celui-là, il ne rentre pas. Donc on a celui-ci, Mulan en guerrière, donc pour un bonus. Voilà. On a Toy Story. Ça, c'est facile. Hein. Clochette, il faut que je me renseigne, savoir si ça, elle compte comme étant une adolescente. Il faudrait que je regarde comme c'est une fée. Sinon, ben, je ne le ferai pas. Et le prochain que je vais faire, donc c'est celui-ci. C'est Jack, je crois, qui s'appelle, dans Les Indestructibles, donc le bébé. Donc voilà, il sera rapide à faire. Dans le gnome, j'ai avancé, je vous montre. Il faut que je fasse les ombrages. J'ai fait pas mal de feutre à alcool. Voilà où j'en suis. J'ai fait des petites bases et j'ai commencé un peu l'ombrage, mais j'ai pas fini. Donc j'aimerais bien le finir rapidement, celui-ci. Et je vous montre un futur colo qui rentre pas dans le challenge list, mais que je vais faire pour le thème de juillet, du mois de mai, donc le mille et une nuits. Je vais aller dans mon Rita Verman Africa, parce qu'en plus je ne l'ai toujours pas entamé, notamment. Et j'aimerais faire cette double page. Potentiellement, Néo va la faire aussi, donc peut-être qu'on va s'accompagner l'une et l'autre. Voilà, j'aimerais trop la faire. C'est une page qui m'a tapé dans l'œil dès que j'ai eu ce bouquin. Donc j'espère lui faire honneur. Voilà. Sinon, là, je suis sur le montage de la vidéo Décorage terminé du mois de mai. Je suis très en retard. Comme je vous disais, j'ai un nouveau rythme de colo. Je colo beaucoup moins. J'essaye de me faciliter la vie parce que j'ai peu de temps. Et donc, voilà. J'ai fini mon Kincaid. Ça, je suis très contente. Donc, je vous laisserai aller le voir si ça vous intéresse. Et puis voilà. Hello, on est... samedi 4 mai, je vous prends un petit peu ce matin, j'en profite d'avoir du temps libre. Au niveau de mes avancées colo, donc là je suis actuellement sur le Mystic Misfit avec le colo que j'ai pas pu faire pour le mois d'avril. Donc celui-ci, voilà, j'ai commencé, je suis partie sur des teintes très bleues, mélancoliques, il faut que j'ombre le fond et que je termine la fille. Mais voilà, j'ai fini un colo dans le... ça on en parlera après. Dans le carré Art Déco, donc je suis partie sur Jack, voilà. Ça me faisait penser à une cible, un viseur, enfin, d'une arme en fait. Et du coup, je suis partie là-dessus, je trouvais ça drôle. Donc voilà, ça rentre du coup dans le challenge d'Elise. Donc je suis contente d'avoir fait ce petit colo. Et ensuite, niveau achat, j'ai fait deux petits achats. Donc ça, en fait, j'avais vu sur une... je crois que c'est sur un Instagram, un réel... je ne me rappelle plus le nom, une personne qui fait beaucoup de mystères et qui parlait du coup de son matériel. Et il y avait ces feutres-là. Ces feutres-là, j'en ai quelques-uns, je les aime beaucoup. Et je ne savais pas qu'ils vendaient plusieurs feutres de la même couleur sur Amazon. Donc j'en ai eu pour 3 euros et des patates. Et en fait, c'est la couleur peau. Et comme je fais de plus en plus de mystères et que dans certains, j'ai pas mal de personnages, notamment le vitraux, je me suis dit que ça pouvait être intéressant du coup. De partir là-dessus, donc je les ai reçus, donc très contente. Et un craquage pas du tout prévu, j'ai craqué pour un mystère famille, je faisais mes courses Intermarché. Alors il y avait le tome 11, mais le tome 11 était déjà, bon déjà le livre était abîmé, c'était le seul, donc forcément je l'ai pas pris. Mais il y avait, enfin la palette de couleurs est vraiment trop importante et j'ai pas assez de feutre. Et je suis tombée sur celui-ci et bah ma foi je le trouvais sympa. J'ai pas de mystère Disney à proprement parler classique parce que moi j'ai Cercle Magique Baby, j'ai le Mickey and Friends et j'ai le Vitro, mais j'ai pas d'autres mystères et du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas. Et du coup ça tombe bien que j'ai reçu ça parce que il y a pas mal de peau dedans, donc j'espère que ça pourra aller. Donc voilà pour mes achats qui sont pas très prévus. Sauf celui-ci, mais voilà. Sinon, je voulais commencer avec vous le colo dans mon bloc tableau avec le fond au No Color 2. Donc voilà, je pense que je vais le faire avec vous de suite maintenant. Si ça vous dit, je ne vais pas faire de tuto à proprement parler, juste je vais vous mettre en... on a accéléré, juste on va choisir les teintes ensemble. Il faut que j'arrête de dire juste. donc au niveau des Néo Color 2, moi je n'ai pas de gamme complète à proprement parler. J'ai toujours pris mes Néo Color 2 à l'unité.
en fonction des couleurs qui me plaisaient. Donc là, je vais prendre le 139, donc un très foncé. Donc moi, je vais partir sur un fond Galaxy assez bleu-violet. Le 131, c'est lequel? C'est celui-ci. Je vais prendre le 161, je l'aime trop celui-ci. Le 161, le 661, il est bien aussi celui-là pour faire des zones claires dans les ciels. Et je vais prendre le noir, le 09. Hop. Voilà, et l'idée, bah, c'est de faire différentes zones en fait avec ce dégradé de couleur. Donc il n'y a pas vraiment de technique si ce n'est l'application. Donc ce que je dis souvent, pas hésiter à mettre du pigment parce que du coup pour l'aquareller derrière, si vous voulez vraiment que ce soit intense, faut y aller. Et parfois à faire deux couches. La première couche, elle n'est pas forcément très représentative. On est le mercredi 8 mai, je vous prends pour clôturer ce vlog. Du coup, j'ai fini mon mystère famille, donc vous verrez dans les colos terminés du mois de mai.
J'ai également fini du coup ce colo là où vous avez pu voir le fond. Donc vous avez vu, j'ai fait une bourde par ici avec l'encre. J'ai rattrapé, comme c'est de l'encre aquarellable, j'ai mis avec de l'eau. Et c'est passé. Je fais toujours des boulettes comme ça, c'est hyper chiant, mais bon, ça se rattrape. Donc voilà, avec de l'encre blanche. Et après, bah, vous verrez du coup dans la vidéo des colos terminés avec quoi je l'ai fait. Mais très contente du rendu. Et je vous montre mon dernier whip. J'ai fini aussi mon Mystic Misfit. Je ne sais pas si je l'avais dit. Bref. Et mon dernier whip, c'est celui-ci. Voilà, donc j'ai commencé pour le thème de Julie du mois de mai, mille et une nuits. Donc pour moi, c'est Marrakech, dans le Africa de Rita Berman. J'ai commencé avec les polychromos et les hérogitènes. J'aime trop mélanger les deux dans les bouquins de Rita Berman. Je trouve que ça va super bien. Et comme c'est des petites zones, et ben moi j'adore. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai pas pu faire du coup le fond du Nice Little Town au Derwent Intense. Peut-être que je vous ferai une vidéo une prochaine fois. J'ai pas le temps, tout simplement. Et je me suis penchée sur d'autres colos. En tous les cas, j'espère que bah, ce vlog vous aura plu. Et je pense que la prochaine vidéo sera également un vlog. Parce que du coup, je vais avoir mon anniversaire. Et donc, j'ai demandé des crayons de couleur. Donc, bah, vous aurez peut-être la surprise de savoir ce que c'est. Moi, je sais, normalement. On verra. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.